juste après, il y avait Kafar Qasem, Dir Yassin, Sobhan Shatila. Aujourd'hui, c'est un carnage, une extermination totale d'un peuple. Depuis 1948, ce peuple-là souffre. L'État d'Israël, qui a oublié son passé, qui a oublié le génocide, et maintenant, il est en train d'enfoncer tout un peuple. Il est en train d'exterminer tout un peuple. Jusqu'à ce matin, la presse a dénoué à peu près 430 morts et des centaines de blessés. Il y a des tonnes de bombes qui sont en train de raser tout un peuple, tout un territoire. Les gouvernements arabes, les gouvernements occidentaux, les Américains, aucune déclaration. Il y a un silence total. Sarkozy, dans ses déclarations, rien. Je crois qu'on a un rôle très important. Ça a été dit tout à l'heure. Et on a eu des expériences. On a combattu l'apartheid par des petits moyens, le boycott. Et je crois qu'on a à nos mains un moyen pour dire stop à l'État d'Israël. Cet État qui est assassin, qui est fasciste, qui est en train de faire un génocide qui est total. Et je crois que le moyen, c'est le boycott. Comme ça a été dit tout à l'heure par la représentante de France-Palestine, on a des moyens. Les pétitions, les rassemblements. Tous les samedis, il y a les femmes habillées en noir à Châtelet. Et je crois qu'il faut qu'on continue ce combat et qu'on essaye de manifester notre solidarité par les moyens qui sont à notre portée. Et je crois que les petits gestes, ils peuvent contribuer. Et comme ça a été dit tout à l'heure, je crois que notre solidarité, il faut que ça reste par des petits gestes, les pétitions, les rassemblements, les manifestations et surtout le boycott des produits d'Israël. Et merci de se trouver tous tout à l'heure à la manifestation 15h de République. Vive le peuple palestinien! Je donne la parole à la LCR. LCR et Jeune Ville pour tous. Bonjour. Nous sommes assez nombreux, mais pas encore assez.